À une minute de la pause, Sanjak écarte pour Genesio. Centre de Genesio pour la tête de Chaouch et but. Nice mène 3 buts à 1 et on revoit le coup de tête de Mohamed Chaouch qui inscrit ici son deuxième but sous le maillot niçois. 3-1, ce sera du reste le score à la mi-temps. Ça me fait vraiment un grand plaisir de revenir sur Nice. Et puis bon, j'ai eu de la chance là de rencontrer donc des amis. Et là, vraiment, ça me fait revenir quelques années en arrière. Et c'est vrai qu'on a passé vraiment des très très bons moments ici. Bon, avant de venir à Nice, j'étais sur Saint-Étienne, Metz, et après je suis venu à Nice. Et c'est vrai qu'après, je suis parti à Laval et de Laval à Poel de Nicosie à Chypre pour finir ma carrière et jouer une Coupe européenne avec eux. Ce ballon mis en touche à la 6e minute est joué rapidement et dans un match de la peur comme celui-là, la moindre hésitation peut être fatale. Chaouch opportuniste sur cette déviation de Sanjak. 1-0, ce n'est pas une supposition mais bien une confirmation. Chaque hésitation, chaque erreur se paye au prix fort. Aujourd'hui, du coup, quelles sont vos activités ? Bah, je suis entraîneur de football, donc j'ai le diplôme professionnel l'année dernière en Asie. Donc j'ai entraîné ici, justement j'étais au centre de Istres et après je suis parti 6 ans au Qatar. Et là je suis au Maroc pour retrouver un club de première division à entraîner au Maroc. Donc là vous êtes revenu à l'OGC Nice aujourd'hui, qu'est-ce qui représente pour vous ce club ? Bah, beaucoup de choses, puisqu'on a vraiment passé des très très bons moments. Et puis bon, on a fait un parcours qui était quand même très intéressant, en gagnant la Coupe de France en 97. Et puis bon, il y avait la montée aussi en 93-94. Et puis bon, c'est vrai qu'on a connu vraiment des très bons moments avec les supporters niçois, vraiment c'était des moments inoubliables.